تفسير سورة الهمزة Exégèse de la sourate Les Calomniateurs Québécois. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Waïlul li kulli humazatil humaza. Malheur à tout calomniateur, diffamateur. Alladhi jama'a malan wa 'addada. Qui amasse une fortune et la compte. Yahsabu anna malahu akhlada. Pensant que sa fortune l'immortalisera. Kalla la yunbadhanna fil hutama. Mais non, il sera certes jeté dans la hutama. Wama adraka mal hutama. Et qui te dira ce qu'est la hutama? Narullahi al-muqada. C'est le feu attisé d'Allah. Allati tattali'u 'ala al-af'ida. Qui monte jusqu'aux entrailles, jusqu'au cœur. Innaha 'alayhim muqsada. Il se refermera sur eux. Fi 'amadin mumaddada. En colonne de flammes étendues. Waylun, malheur. Il s'agit d'une mise en garde, d'un désastre et de l'annonce d'un châtiment rigoureux. Likulli humazatin lumaza. À tout calomniateur, diffamateur, qui calomnie les gens par ses agissements et ses paroles. Le calomniateur étant celui qui dénigre les gens par des allusions et des actes. Et le diffamateur, celui qui les critique par des paroles. La caractéristique de ce dernier est qu'il n'a d'autre souci que d'amasser des richesses, de les énumérer et d'en tirer fierté. Il n'a aucun désir de les dépenser dans les voies du bien, dans la préservation des liens de parenté et autres domaines. Yahsabu, pensant, dans son ignorance, annama lahu akhlada, que sa fortune l'immortalisera. Dans ce bas monde, c'est pour cela que tous ses efforts et tout son labeur sont consacrés dans le but de fructifier sa fortune dont il pense qu'elle lui assurera l'accroissement de la durée de sa vie. Il oublie cependant que l'avarice brise les âges et ruine les demeures et que la générosité accroît la durée de vie. Kalla la yumbadhanna fil hutama wa ma adraka mal hutama. Mais non, il sera certes jeté dans la hutama. Et qui te dira ce qu'est la hutama? Cette répétition vise à montrer la gravité et l'importance de hutama. Il explique ensuite cette appellation par ces termes. Narullahi al-muqada, le feu attisé d'Allah, dont le combustible sera formé des hommes et des pierres, et qui, en raison de son intensité, tattali'u 'ala al-af'ida, monte jusqu'au cœur. Ce feu les emprisonnera et ils désespéreront d'en sortir. C'est pour cela qu'il a dit innaha 'alayhim muqsada fi 'amadin mumaddada. Il se refermera sur eux en colonne de flammes étendues afin qu'ils ne puissent pas en sortir. Allah le Très-Haut a dit wa ammal ladina fasaqu fa ma'wahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Et quant à ceux qui auront été pervers, leur refuge sera le feu. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés. Nous nous mettons sous la protection d'Allah contre cela et nous lui demandons le pardon et le salut.